Aujourd'hui, ton ange aimerait te dire, connais-tu ton ennemi? Celui qui peut mettre les bâtons dans tes roues lorsque tu cherches à avancer? Celui qui arrive à miner ta confiance en toi-même? Ne cherche pas trop loin. Il est en toi. C'est la petite voix de ton mental. Tu sais, cette deuxième petite voix qui vient semer le doute en toi lorsque tu crois sentir une bonne intuition. Quand tu sembles flairer la bonne affaire. Celle qui brandit des peurs plutôt que de t'encourager. Bien sûr, elle fait partie de toi. Elle vient créer un équilibre. Sans elle, ce serait le chaos. Mais tu peux apprendre à lui dire de se taire, de se tenir tranquille. C'est toujours toi qui as le dernier mot. Elle n'est pas là que pour te tester, pour voir si tu es confiant en ta décision. Lorsque tu es certain de ton coup, tu sais, elle bat en retraite et se tait jusqu'à ce qu'elle sente une vulnérabilité de ta part. Le mental est utile lorsque tu as besoin de ton sens logique, de ta mémoire, besoin de calculer, de penser, de réfléchir. Mais lorsque tu veux effectuer un changement, lorsque tu veux te brancher à ton essence divine, il se sent rejeté et cherche à se faire entendre. Quand tu ressens quelque chose de fort en toi, que tu en es convaincu, ne laisse pas ton mental te faire dévier de ta route. Ne le laisse pas prendre le dessus, car parfois, pour arriver à atteindre ses objectifs, eh bien, il faut apprendre à ne pas écouter son mental. Je suis à tes côtés, ne crains rien. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Douce pensée, Angélique.